Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivrez. C'est votre frère Christ. Voilà, une fois de plus, je suis très content d'être parmi vous, d'être avec vous. C'est la chaîne Réveil TV et nous sommes sur l'émission Réveillez-vous. Donc, c'est vraiment une joie d'être encore avec vous ce jour. On est dans la joie et on tient vraiment à bénir le nom du Seigneur pour la vie qui nous renouvelle. Donc une fois de plus, on va partager la parole de Dieu pour nous encourager à tenir, pour nous encourager à persévérer, pour nous encourager à nous attacher au Seigneur. Donc j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Donc on parlera aujourd'hui de la marche chrétienne parce que il est important, n'est-ce pas, pour nous chrétiens, pour les enfants de Dieu, de savoir où on va, de réaliser différents contours qu'il y a dans la marche chrétienne. Donc sans plus tarder, je nous invite à prier pour un moment et voilà, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour mes frères et mes sœurs qui me regardent. Merci pour la chaîne Réveil TV. Merci pour ton amour. Nous voulons te craindre, nous voulons t'aimer. Parle encore à nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit nous enseigne. Nous ne voulons pas communiquer la lettre. Nous voulons marcher et parler par l'esprit. Que toute la gloire te revienne encore au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, par la grâce du Seigneur, on va parler de la marche chrétienne. Et sans plus tard, on va prendre un passage dans Jean chapitre 10, à partir du premier verset. Donc, on est dans Jean, le chapitre 10, à partir du premier verset. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 7. Jésus donc leur dit encore, amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait même en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne son âme pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit et disperse les brebis. Verset 13. Ainsi le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se soucie pas des brebis. Verset 14. Je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16 pour terminer. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul troupeau, un seul berger. Amen. Donc on peut remonter au premier verset. Donc il y a quelques années de cela, je méditais avec mon épouse sur Jean chapitre 10. Et là, le Seigneur a commencé à nous enseigner sur la marche chrétienne. C'est pour la première fois depuis 13 ans de vie chrétienne que je méditais ce passage et que le Seigneur pouvait m'enseigner sur la marche chrétienne.
Alors, frère, s'il te plaît, donc on va garder le partage sur l'écran durant tout l'enseignement parce qu'on a beaucoup de travail avec Jean 10. Donc, le premier verset dit Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Alors, la première différence que le Seigneur Jésus nous apprend ici, c'est entre lui et le diable. Exemple simple, le propriétaire de la maison. Je suis propriétaire de chez moi. Je ne peux pas rentrer par la toiture. Je ne peux pas rentrer par les fenêtres. Je ne peux rentrer que par la porte centrale. Pourquoi? Parce que j'ai les clés. Et on sait naturellement qu'il n'y a qu'un brigand pour rentrer par la fenêtre ou pour rentrer par toute autre ouverture, mais en défonçant ces ouvertures. Donc la première différence, on apprend ici qu'on a le berger, on a le bon berger d'un côté, et de l'autre côté, on a le voleur. Le voleur, c'est qui? C'est premièrement Satan. Parce que justement, Satan veut nous ravir ce que Dieu nous a donné. Parce que justement, Satan veut nous ravir la vie de Dieu. Donc, on apprend ici que Satan n'est pas le propriétaire. On apprend ici que Satan n'est pas le bon berger. On apprend que Satan ici est un voleur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Mais il veut voler quoi? Il veut voler la vie de prière, la vie de méditation, la vie de sainteté, la crainte de Dieu, l'amour pour le Seigneur. Il veut voler tout ce que Dieu nous a donné qui est essentiel pour notre salut. Et comment il procède? Il ne va jamais rentrer par la porte centrale. Ça veut dire que Satan se déguise. Ça veut dire que Satan prend plusieurs aspects, n'est-ce pas, pour nous ravir de la vie de, pour ravir la vie de Dieu en nous. Comment Satan procède? Il a aussi des agents. Il a des démons. À côté des démons, n'est-ce pas? Il a ses enfants. Il a les païens, d'abord, qui, par leur façon de marcher, n'est-ce pas, veulent nous sortir de la présence de Dieu. À côté des païens, on a les faux serviteurs de Dieu, qui eux aussi, n'est-ce pas, ont pour but de nous égarer, de nous sortir du droit chemin. Ils procèdent par quoi? Par des doctrines complètement diaboliques. Donc on est ici sur la marche chrétienne. La base ici qu'on doit retenir, c'est que d'un côté il y a le bon berger et d'un autre il y a le voleur. Alors qu'est-ce que le bon berger fait? On apprend que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc on apprend qu'ici, Jésus est le propriétaire de la bergerie. Il est le propriétaire de nos vies. Et lorsqu'il entre, il y entre par la porte centrale. Il entre par où? Par nos cœurs. Parce que nos cœurs aussi, c'est l'image de la porte. Il entre par nos cœurs. Il frappe. Comme Apocalypse 3 vient le dire, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai. C'est le berger. Il ne force personne. Mais Satan, qui est le voleur, n'est-ce pas? Il ne frappe jamais. Il vient s'imposer. Il vient arracher ce que Dieu nous a donné. La crainte de Dieu, la sainteté, l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom. Il les conduit dehors. Donc, le verset 3, c'est la suite du verset 2. On a dit que, au verset 2, on a dit que, mais celui qui entre par la porte est le berger. Donc Jésus frappe à la porte de nos cœurs par l'évangile. Parce que si Jésus ne frappe pas à la porte de ton cœur par l'évangile, tu ne peux pas, il ne peut pas rentrer en toi. Donc premièrement, il frappe à nos portes par l'évangile. Ça s'appelle l'évangile par la parole, l'évangile par les cantiques, l'évangile par les témoignages, peu importe la façon dont il procède. Mais l'évangile véritable, il frappe à la porte. Et lorsqu'on lui ouvre, il entre. Il vient s'installer dans nos cœurs. Il vient s'installer dans nos vies. Et c'est à partir de cet instant seulement que commence la marche chrétienne. Donc si tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu, si tu n'as pas encore saisi, n'est-ce pas, l'appel que le Seigneur te lance depuis des années, on ne peut pas parler de marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne commence par l'appel au salut. Il frappe à la porte. Il nous interpelle à revenir à lui. Il nous interpelle à la repentance. Il frappe à la porte de nos cœurs.
Et quand il frappe, qu'est-ce que le portier fait? Il lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom. Il les conduit. Donc on comprend ici que la marche chrétienne commence par l'appel au salut. L'appel au salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc on comprend que la marche chrétienne commence par l'appel au salut. Ici on dit qu'il appelle ses propres brebis par leur nom. Parce que le Père nous connaît. Il nous appelle par notre nom, il nous appelle à la repentance. On dit que le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Ne vous inquiétez pas, la voix du bon berger, la voix du Seigneur, n'est-ce pas, est distincte de celle de Satan. Parce que la voix du Père est douce, est douce. La voix du Père, n'est-ce pas, elle est calme, elle est douce. La voix du Père, n'est-ce pas, c'est cette voix qui nous amène à ne pas pécher. La voix du Père, cette voix, n'est-ce pas, qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à la conversion, qui nous appelle à confesser nos péchés, à renoncer à nos vies. C'est la voix du Père. La voix du bon berger. La voix du mercenaire, du volant qui est Satan, cette voix qui nous appelle à commettre le péché, à nous livrer au mal, à nous livrer aux coutumes, aux traditions, à la sorcellerie. Ça, c'est la voix du voleur. Donc, il faut distinguer les deux voix. Il y a deux voix. La voix de Dieu, premièrement, c'est sa parole. La voix de Dieu, ce sont ses préceptes, ses commandements. La voix de Dieu, n'est-ce pas, c'est ce qu'il nous, il faut qu'on fasse. Donc il faut commencer par distinguer la voix qui t'appelle. Si une voix t'appelle dans les bars, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Si une voix t'appelle dans les boîtes de nuit, aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas la voix de Dieu. Si une voix t'appelle à aller te masturber, à aller tomber dans la débauche, la fornication, l'adultère, l'infidélité, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du voleur, du mercenaire. Et qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire, en fait, c'est un homme qu'on a mandaté pour une mission bien précise. Un mercenaire a plusieurs missions. Et si Satan ici est pointé comme un mercenaire, c'est parce qu'il a une mission, nous détruire. Il a une mission, nous sortir du droit chemin. Il a une mission, n'est-ce pas, nous éloigner de la vérité. Donc il a une voix aussi, c'est la voix du mal. La voix du mercenaire, c'est cette voix qui nous amène à pécher contre Dieu. La voix du mercenaire, c'est cette voix qui nous amène à désobéir à la parole du Seigneur. Ça c'est la voix du mercenaire. Donc il faut distinguer la voix qui t'appelle. La voix du mercenaire aussi, c'est la voix de ce faux serviteur de Dieu qui va nous amener à dépendre d'eux. C'est la voix, n'est-ce pas, de toutes ces religions, de ces sectes. C'est ça aussi la voix des mercenaires. Parce que la voix du bon berger, la voix du Père, nous amène à le suivre, lui. Pas à suivre un homme, pas à suivre une religion, pas à suivre une assemblée, pas à suivre, n'est-ce pas, une coutume, une tradition. La voix du bon berger nous amène à le suivre, lui. Donc ici, au verset 3, on apprend qu'il nous appelle. Donc la marche chrétienne commence par l'appel à la repentance, l'appel au salut. Et quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il fait? Avant de répondre à l'appel de Dieu, il faut d'abord faire quoi? Entendre sa voix. Mais comment peut-on entendre la voix de Dieu? On entend la voix de Dieu, n'est-ce pas, par toutes les interpellations qu'il nous donne, par les vrais serviteurs de Dieu, par sa parole, par les signes qu'il nous a donnés. Dieu, n'est-ce pas, nous appelle à la repentance. Le premier appel de Dieu pour l'humanité, c'est l'appel à la repentance, l'appel au salut, l'appel à la vie éternelle. Donc, il y a l'appel au salut. Deux, il y a la réponse à l'appel. Donc, on entend la voix de Dieu et on accepte de le suivre. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il appelle ses propres brebis par leur nom, il les conduit dehors. Et c'est là où commence la marche chrétienne. Il les conduit dehors. Ici, on apprend que c'est lui qui nous conduit dehors. Donc, il nous conduit dans ce monde. Parce que justement, pour faire une parenthèse, la marche chrétienne est similaire à la vie du peuple d'Israël. Alors, c'est quoi l'histoire du peuple d'Israël en bref? Pas toute l'histoire, mais j'ai envie de passer moi de référer à l'histoire, n'est-ce pas, avec Joseph. Ils sont allés en Égypte,
Le peuple d'Israël allait en Égypte, ils ont vécu là-bas pendant ils ont vécu pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs années. Et puis, les Égyptiens, n'est-ce pas, ont commencé à les en vouloir parce que la main de Dieu était sur eux. Alors en vouloir autant pour moi. Et ils ont, n'est-ce pas, passé 400 ans, 4 siècles dans l'esclavage et dans la servitude. L'Égypte ici, c'est l'image du monde. De la même manière, nous aussi, on est né dans le monde, on est né dans le péché, dans la déviation. C'est pourquoi depuis l'enfance, on a commencé à se livrer au mensonge, au vol, à la haine, à la méchanceté, au congoussa, aux calomnies, au vol, au viol et aux crimes de tout genre. Parce que justement, nous étions en Égypte, qui est une image du monde. Et les 4 siècles, les 400 ans de servitude sont similaires aux années qu'on a passées dans la servitude par rapport au péché, par rapport au mal, par rapport aux coutumes, aux traditions. Notre servitude était premièrement par rapport au péché, montée sur l'esclavage par rapport aux coutumes, aux traditions, par rapport au monde. Et dans cette servitude, le peuple d'Israël a crié à Dieu. Il a entendu leur cri. Il a envoyé Moïse, qui était une image de Jésus. Et Moïse ici a sorti le peuple de Dieu de l'Égypte. Comme on l'a vu, l'appel au salut, c'est l'appel à sortir du monde. C'est la séparation avec le monde. Donc quand Dieu, n'est-ce pas, a appelé son peuple, il les a sortis de l'Égypte. Littéralement, il les a sortis du monde. Il a sorti de l'esclavage dans lequel il se trouvait. L'Égypte aussi, c'est l'image du péché. Donc, il est sorti du péché. Pour les conduire dans le désert aussi, c'est l'image aussi du monde. Le désert aussi, c'est ici l'image, n'est-ce pas, de la marche chrétienne. Donc, il nous sort de l'Égypte, il nous sort du monde, il nous sort aussi du péché, mais on est toujours dans le monde. Donc, ils ont sorti de l'Égypte, c'est-à-dire de la servitude, de l'esclavage du péché, mais ils sont allés dans le désert. C'est l'image de la marche chrétienne, le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce désert? Beaucoup sont morts à cause des murmures. Beaucoup sont morts à cause de leur attachement au péché. Beaucoup sont morts à cause de leur refus d'obéir à la parole de Dieu. On va revenir sur Jean chapitre 10, mais je veux qu'on prenne 1 Corinthiens 10 d'abord. J'ai envie de faire rapidement un parallèle entre la marche chrétienne et la sortie, la traversée dans le désert. Donc, on est en 1 Corinthiens 10. On va lire à partir du premier verset. « Oh, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils font tous passer au travers de la mer. » Donc, ici, on apprend que la nuée de Dieu couvrait le peuple de Dieu. Couvrait le peuple qui est sorti de l'Égypte. Et qui sont tous passés au travers de la mer. Donc lorsque Dieu a divisé la mer en deux, ils sont tous passés par là. Donc on apprend que ce peuple a vu le miracle. A vu la puissance de la démonstration de Dieu. Verset 2. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Verset 3. Et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils vivaient au rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc on apprend quelque chose de fondamental ici. Ils ont tous mangé la même viande spirituelle, ils mangent la parole de Dieu, la parole véritable. Ils ont tous bu au même et ils ont tous, quand ils vivaient au rocher spirituel qui les suivait, ils ont même bu la même mot, toujours la parole de Christ. Donc, ils ont tous eu la même doctrine, image de la viande spirituelle. Donc, ils ont eu la même nourriture, le même enseignement. Ils ont pu sont abreuvés à la même source qui est Jésus. Amen. Verset 5. Mais Dieu ne prit pas plaisir à plusieurs d'entre eux, car ils périrent dans le désert. Donc, on apprend ici que malgré, n'est-ce pas, qu'ils ont eu la grâce d'avoir l'enseignement, la parole véritable, d'avoir l'eau de la parole de Christ. Leur vie ne plaisait pas au Seigneur, parce qu'ils ont quasiment tous péri. Et pourquoi leur vie ne plaisait pas au Seigneur? Verset 6. Or, ces choses
sont devenus des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Donc on apprend ici que le peuple d'Israël, Dieu les a sortis de l'Égypte, donc du monde du péché. Mais durant leur marche chrétienne, malgré la parole de Dieu, n'était pas agréable à Dieu. Pourquoi ils étaient dans la convoitise? Ils étaient sortis de l'Égypte, sortis du péché, sortis du monde littéralement, par rapport à un certain lieu, sortis de leur vie du monde, leur vie de débauche, de pornographie, d'ivrognerie, d'une manière. Ils étaient amenés dans le désert, ils marchent dans la marche chrétienne pour Canaan, pour le ciel. Mais durant cette marche, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la convoitise par rapport à leur vie passée. Ils appartenaient certes à Christ, mais ils voulaient repartir à leur vomi. Ils voulaient repartir en Égypte. Donc ils voulaient repartir dans leur péché passé. Donc ils étaient dans la convoitise. Un obstacle ici à la marche chrétienne, c'est la convoitise. Convoitise des yeux et convoitise de la chair. Donc à notre marche chrétienne ici, on apprend qu'il y a un obstacle. L'un des premiers obstacles à la marche chrétienne, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de notre vie passée. Oh, moi dans le monde, j'avais mon petit ami, il faisait tout pour moi, n'est-ce pas, j'avais des grands véhicules. Mais depuis que je suis en Christ, c'est la pauvreté, c'est la disette. Attention, tu es en train de convoiter ta vie passée. Si tu continues comme ça, tu vas perdre le salut. Oh, depuis que je suis chrétien, je ne m'en suis bien. Alors que quand j'étais gigolo dans le monde, cette femme m'entretenait, n'est-ce pas, je changeais les chaussures à tout moment. Attention, tu es en train de reproduire ce que les Hébreux ont fait dans le désert. Amen. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que la façon dont ils ont marché dans le désert n'a pas plu à Dieu. Voici pourquoi Dieu les a détruits. Donc c'est de la même manière aussi, nous on convoite le monde. On convoite ce qu'on avait avant. Dieu peut nous frapper, Dieu peut nous retrancher. Parce que l'un des obstacles de la marche chrétienne, c'est la convoitise. Donc on parle de la marche chrétienne, mais on parle aussi des obstacles à la marche chrétienne. Amen. Et la suite du passage, frère, s'il te plaît. Verset 7. Et ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il a écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lèvèrent pour jouer. Deuxième obstacle à notre marche chrétienne, ici, on nous parle de l'idolâtrie. Mais on apprend ici qu'à côté de l'idolâtrie, il y avait la distraction. Donc deux obstacles simultanés à la marche chrétienne, l'idolâtrie et la distraction. Donc le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour jouer, pour se divertir. Frère, la distraction est un grand obstacle à la marche chrétienne. Amen. Donc je pense que le thème, on va aller plus loin. C'est la marche chrétienne et ses obstacles. Donc ici, on voit qu'il y a un deuxième obstacle à la marche chrétienne, l'idolâtrie. Mais c'est quoi l'idolâtrie? De façon simple. L'idolâtrie, c'est lorsque quelque chose prend la place de Dieu dans notre cœur. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on a du mal à se séparer de quelque chose. L'idolâtrie, c'est lorsque, n'est-ce pas, on ne vit plus sans faire une chose. Bien sûr, je ne parle pas du fait de dormir, de manger, de se laver. Ça fait partie de notre vie au quotidien. Mais on parle de ces choses accessoires qu'il y a dans nos vies, dont on a du mal à s'en passer. On peut être idolâtre de WhatsApp. Si tu as du mal à faire un jour sans aller sur WhatsApp, attention, tu commences à devenir idolâtre. Même lorsque tu n'as rien à faire. Même lorsque tu n'as rien à faire, si tu es toujours connecté aux réseaux sociaux, attention, c'est idolâtrie. Amen. Je ne parle pas de ceux qui ont perdu des obligations, par exemple de la famille à l'étranger, tout ça là. Les obligations WhatsApp nous permettent de discuter facilement. Mais lorsqu'on est tellement attaché aux réseaux sociaux, qu'on ne fait plus un jour sans s'y connecter, attention, ça devient une idolâtrie. Lorsqu'on a pu faire un jour sans se mettre devant la télévision, attention, ça peut être une idolâtrie. Parce que c'est quoi l'idole? C'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est la première chose que tu fais avant de prier Dieu. C'est ouvrir ton smartphone pour voir si tu as de nouveaux messages sur Facebook, WhatsApp. Attention! Tu n'es pas loin de l'idolâtrie. Amen. Donc on voit ici que le peuple de Dieu a eu un deuxième obstacle à sa marche chrétienne, c'était l'idolâtrie.
Troisième obstacle, la distraction. Ils se levèrent pour manger. Ils ont mangé. Voilà. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour jouer, pour se divertir. La distraction. Donc on apprend ici que le manger et le boire peuvent être des distractions dans notre vie chrétienne. On ne peut pas passer toute sa vie, tout autant qu'à manger, à s'enivrer de nourriture, au point de faire des excès de table. Donc ils ont mangé, bu, et puis après, passe à la distraction. La distraction est un gros obstacle à notre marche chrétienne, à notre percée spirituelle. C'est quoi la distraction? C'est le fait de ne plus être sensible à la voix de Dieu. C'est quoi la distraction, n'est-ce pas? C'est le fait d'être dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de loisirs. C'est aussi le fait d'être dans l'oisiveté. On est oisif. Et quand on est oisif, qu'est-ce qu'on fait? On passe toute la journée devant la télévision. On passe toute la journée devant les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. On passe toute la journée à papoter, à s'amuser. Ça là, c'est des obstacles à la marche chrétienne. Amen. Donc on a déjà vu comme obstacle à la marche chrétienne la convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'idolâtrie et la distraction. Verset 8. Et ne nous prostituons pas comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Donc en un jour, Dieu lui-même a tué 23 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont prostitués. C'est quoi la prostitution? Ils ne sont pas de prostitution d'abord sur le plan spirituel. Donc un autre obstacle à la marche chrétienne, c'est la prostitution spirituelle. Mais c'est de deux ordres. La prostitution spirituelle, c'est le fait d'aimer le monde, selon Jacques. Lorsqu'on aime le monde, Jacques nous conseille, dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc on apprend que l'amour du monde est considéré comme étant de la prostitution. L'attachement au monde pour un chrétien est considéré comme étant de la prostitution sur le plan spirituel. Parce que Christ nous a épousés, nous a mariés, nous a fiancés. Et lorsqu'on s'attache au monde, quand on devient ami du monde, Dieu nous considère comme étant dans la prostitution. Donc un autre obstacle à la marche chrétienne, c'est la prostitution. Donc l'amour du monde, l'attachement au monde. Un autre type, une autre forme de prostitution ici, c'est, n'est-ce pas, le fait de renoncer à la doctrine de Christ, à l'évangile véritable, pour s'attacher aux fausses doctrines. Donc tous ceux qui laissent la doctrine de Christ, la doctrine véritable et qui s'attachent aux fausses doctrines, Dieu considère que ces personnes se sont prostituées. Amen. Donc un autre obstacle à la marche chrétienne ici, c'est la prostitution spirituelle. Amen. Verset 9. Et ne tentons pas Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Ils ont tenté le Seigneur. Vous rappelez dans Matthieu 4, le diable a voulu reproduire la même chose avec Jésus. Il est écrit que tu vas te jeter et qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur le mont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus va lui répondre, il a aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et beaucoup de chrétiens passent le temps à tenter Dieu. Lorsque tu sais, par exemple, que ta faiblesse est les femmes, mais que tu te retrouves seul avec une femme la nuit, que tu ne suis chrétien, Dieu va me garder, une façon de tenter Dieu. Parce que là, tu t'exposes à la chute. Lorsque tu sais qu'à l'époque, tu avais un problème avec les alcools, que tu vas tout le temps t'asseoir à côté des bistrots et que tu dis non, Dieu va me garder, c'est une façon de tenter Dieu. Lorsque tu sais que ta faiblesse, c'est l'argent, n'est-ce pas? Mais que tu passes toujours tout le temps à passer à côté des endroits où il y a toujours de l'argent qui traîne. Et tu tentes Dieu. Parce que tu risques de finir par voler. Un exemple. Tu sais que telle personne est sorcière. Et tu vois bien comment cette personne prépare la nourriture et met du poison à l'intérieur. Dieu permet que tu voyes, c'est pour que tu ne manges pas. Pas parce qu'on a peur de sorcier, mais si Dieu a permis que tu as vu, tu ne vas pas t'hasarder à manger. Mais tu vas manger, tu vas dire non. Dieu a dit si vous avez quelques brèves mortelles, il ne fait aucun mal, mais tu tentes Dieu. Dieu nous garde aussi lorsqu'on ne sait pas.
Donc d'ailleurs, mon insu, un sorcier peut préparer, faire manger, mettre du poison dedans. Je rends grâce à Dieu, je mange, rien ne peut m'arriver. Mais si Dieu aussi permet que je vois et que je décide de manger, mais c'est une façon de tenter Dieu. Par rapport à l'alimentation, c'est pareil. On passe le temps à manger des aliments, de nourriture, n'est-ce pas, qui sont complètement pas propres pour la santé. Mais on continue à manger ça. Les aliments qui ont plein d'huile, on mange. Les jus gazeux, on boit. Et puis on dit, Dieu va nous garder. Moi, on ne sait pas qu'on est en train de le tenter, on s'expose aussi. Et puis demain, si on tombe malade, ils ne disent pas que non, Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Mais c'est parce qu'on tente Dieu. Dieu nous donne aussi la sagesse. Donc ils ont passé le temps à tenter Dieu dans le désert. Oh Dieu, oh, il nous a fait sortir de l'Égypte, c'est pour nous faire tuer ici. C'est quel Dieu? Ils ont passé le temps à mépriser Dieu. Comme beaucoup de chrétiens passent le temps aussi à mépriser Dieu. Lorsqu'on dit par exemple, ah laisse-moi commettre mon péché et je vais demander pardon à Dieu, on le tente. Oui! Dieu t'interpelle avant de pécher. Mais tu dis quand même, laisse-moi pécher, je vais me repentir après. C'est une façon de tenter Dieu. Sache qu'un jour, comme il a détruit ici, là, n'est-ce pas, ce peuple dans le désert, tu risques d'y passer. Après, il ne faut pas dire Dieu n'est pas miséricorde. Parce que Dieu est miséricorde, mais on ne joue pas aussi avec le Seigneur. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour qu'on soit délivré du péché. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on vive dans le péché et on dise non, je vais demander pardon à Dieu. C'est une façon de tenter le Seigneur. Amen. La suite du passage, s'il te plaît, frère. Voilà. Donc, un autre obstacle ici, c'est le fait de tenter le Seigneur, de mépriser le Seigneur. Donc, un autre obstacle à la marche chrétienne, verset 10. Et ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Les murmures, c'est un autre obstacle à la marche chrétienne. On passe le temps à jalouser les frères. Si Dieu a béni un frère financièrement, au lieu de bénir le Seigneur pour le frère, on va le jalouser, on va l'envier. Et on va même parfois le traiter de sorcier, de franc-maçon. On passe le temps dans les murmures. C'est quoi les murmures? C'est les critiques. C'est ce qu'on appelle le Congossa. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent à l'intérieur. Eux là, ils ont passé le temps à murmurer dans le désert. Oh Dieu, oh Moïse, quel Moïse? Pourquoi Dieu parle qu'à Moïse? Pourquoi pas nous? Pourquoi toujours Moïse? Pourquoi tel? Vous vous rappelez, non? Comment Dieu a frappé même Myriam et Aaron? Parce qu'on ne doit pas être dans les murmures. C'est quoi les murmures? C'est dire derrière le dos de quelqu'un ce que tu ne peux pas dire devant lui-même. C'est ça murmurer. Faire ça, c'est jouer dans ton cœur. Oh non, dans ton cœur, tu peux pas murmurer. Mais tu n'arrives pas à dire ça en vrai à la personne. Tu es dans le murmure, tu es dans l'hypocrisie. Donc un autre obstacle à la marche chrétienne, c'est le murmure, c'est le Congossa, c'est les critiques, c'est l'hypocrisie. Et l'église de Dieu est frappée par ce fléau-là, les murmures. Quand un frère t'explique une vision, un projet, si tu ne comprends pas, demande à Dieu. Et si tu ne comprends pas, toujours ferme la bouche au lieu de pécher contre Dieu en disant Dieu n'est pas à l'intérieur. Parce que Dieu aussi nous donne la sagesse. Mais nous, on est prompt à donner des jugements. On est prompt à donner nos avis. Comme si à nous, à qui Dieu parle, Dieu ne parle pas aux autres, c'est toujours qu'à nous. Ça aussi, c'est un obstacle à la marche chrétienne. Les murmures. Amen. La suite, s'il te plaît, frère. La suite du passage. Verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Verset 12. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Dans la marche chrétienne, voici un principe important, frère. Même si tu apprends qu'un frère a chuté, il est tombé, il ne faut jamais te résoudre de la chute d'un vrai enfant de Dieu. Parce qu'on dit que celui qui pense être debout, qu'ils prennent garde de ne pas tomber. Ce passage veut nous parler de l'humilité. Dans la marche chrétienne, on doit être humble. Même dans notre façon de reprendre les frères et les sœurs, soyons humbles. Parce que tu peux reprendre quelqu'un aujourd'hui, mais demain tu peux faire pire que la personne. Il faut être humble. Donc ici, on apprend aussi que ces choses ont été écrites pour notre instruction, frère. Ne reproduisons pas les mêmes caractères que les Hébreux reproduisent dans le désert. Il dit, attention, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Parce que frère, on n'est pas debout parce qu'on est fort. On est debout par la grâce
de Dieu. Je ne partage pas aujourd'hui parce que je suis fort, parce que je suis mieux que quelqu'un. C'est par la grâce de Dieu. Parce que je suis bien faillible. On est tous bien faillibles. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient debout, frère. Amen. Verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc on apprend que dans la marche chrétienne, il y a des épreuves. Et ces épreuves-là, c'est Dieu qui nous les envoie. C'est Dieu qui permet les épreuves dans nos vies. C'est Dieu qui permet les combats, les persécutions. Mais on apprend aussi ici que Dieu ne va jamais permettre qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Donc frère, toi qui étais éprouvé, qui es tombé, sache que tu es tombé parce que tu as voulu tomber. Lorsqu'on tombe, c'est parce qu'on veut tomber. Parce que si on apprend que Dieu ne va jamais nous envoyer quelque chose qui va nous tuer, Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Ou c'est pourquoi je me bats à l'aimer. Parce qu'il ne va jamais nous envoyer des choses qui peuvent nous dépasser. S'il permet, par exemple, qu'une femme vienne te faire la cour directement, c'est qu'il sait qu'il a de la capacité de dire non. Comme à l'époque avec Caïn. Il dit le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Donc Dieu savait que le péché devait frapper à la porte de Caïn, mais il avait donné à Caïn la force de dire non. Mais Caïn délibérément a choisi de pécher, il a tué son frère Abel. C'est comme beaucoup de chrétiens. Amen. Verset 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Donc on peut repartir à Jean 10. Donc je vous ai voulu faire ce parallèle. Et à la suite de ce passage, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il n'y a que Josué et Caleb qui sont arrivés à Canaan, plus tous les enfants qui sont nés dans le désert. Donc toutes les personnes qui sont sorties, toute la génération qui est sortie de l'Égypte a péri dans le désert, en dehors de Josué, de Caleb et des enfants qui sont nés dans le désert. Donc on apprend ici que très peu de personnes vont arriver au ciel. Parce que Canaan, c'est l'image du ciel. Mais pourquoi très peu de personnes vont arriver au ciel? Est-ce que c'est parce que Dieu ne nous aime pas, loin de là? Mais c'est à cause de notre conduite, c'est à cause de notre façon de marcher, c'est à cause de la convoitise, comme on a vu, convoitise du jeu de la chair, c'est à cause de l'idolâtrie, c'est à cause de la distraction, c'est à cause des murmures, des calomnies, c'est à cause du fait de vouloir tenter Dieu, de s'exposer au péché et dire Dieu va me garder. Et ces choses-là qui sont des obstacles et qui peuvent nous amener à rater le ciel. Amen. Donc j'ai voulu rapidement faire ce parallèle entre la sortie des Hébreux dans le désert, n'est-ce pas, et leur arrivée à Canaan. La marche des Hébreux dans le désert. Amen. Parce que c'est ça la marche chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Donc on est dans Jean 10. On est au verset 4 maintenant. Donc ici, pour revenir à Jean 10, on a vu que 1, la marche chrétienne commence par l'appel au salut. Donc Dieu appelle les brebis par leur nom. Et deuxièmement, lorsqu'on entend la voix de Dieu, on accepte de le suivre. Donc la marche chrétienne, c'est 1, l'appel au salut. 2, on écoute la voix de Dieu. 3, on accepte de le suivre. Amen. Verset 4. Et on apprend que, et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc ici, on apprend deux éléments. Que il fut le Seigneur qui nous conduit dehors. Pour dire quoi? Que lorsqu'il nous sort du monde, il nous sort du péché, il veut lui-même nous conduire dans ce monde. Parce qu'il a dit, je vous ai laissé dans le monde, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc quand il nous sort du péché, il nous sort des ténèbres, il nous laisse dans le monde, mais il veut lui-même nous conduire. Donc le verset 4 dit, il fait sortir toutes ses propres brebis. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Donc c'est glorieux, si on apprend que Jésus marche devant nous. On n'a pas dit un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste. On n'a pas dit un ministère, un ancien diacre. On apprend que c'est le Seigneur qui marche devant nous parce que c'est lui qui est le bon berger. Alléluia. Donc ce qu'on apprend ici déjà, c'est que tous les chrétiens, sans exception, sont considérés comme étant des brebis. Et aucune brebis ne peut vivre d'elle-même. Toutes les brebis que nous sommes avons besoin du bon berger. Et le bon berger, ce n'est pas d'abord un homme, c'est d'abord Jésus. Celui qui marche devant nous, et qu'est-ce qu'il fait? Et nous devons le suivre.
Donc, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc ici, il y a encore un autre élément qui sort. L'intimité, la connaissance de Dieu. Donc avant la connaissance de Dieu, j'ai envie de dire quoi? Que le Seigneur, c'est lui qui nous conduit. Dans la marche chrétienne, c'est Jésus qui nous conduit, c'est lui qui marche devant nous. Et qu'est-ce que nous faisons en tant que brebis, on le suit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens que nous sommes? On suit beaucoup de choses. On écoute beaucoup plus notre chair. On écoute beaucoup plus Satan. On écoute beaucoup plus les hommes que Dieu. Amen. Mais si on apprend que les brebis suivent le bon berger. Donc si tu as arrêté de suivre Jésus, que tu as commencé à suivre ton pasteur a beaucoup plus d'influence que Jésus dans ta vie, ça ce n'est pas Dieu. Si tu ne pries plus à la maison, tu ne médites plus sur toi, mais tu passes de temps sur les enseignements d'un homme, ça là ce n'est plus Jésus. Parce que Jésus c'est d'abord sa parole. Jésus c'est aussi d'abord ta relation avec lui. Mais si les enseignements d'un homme, quel qu'il soit, a remplacé la méditation de la parole de ta vie de prière, ça là c'est l'idolâtrie, ce n'est plus Jésus. Donc on apprend ici que les brebis connaissent la voix du bon berger et le suivent. Frère, j'ai envie de nous poser une question. Qui suivons-nous? Qui suivons-nous? Est-ce qu'on suit un homme, un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur? Est-ce qu'on suit une coutume, une tradition, une religion? Est-ce qu'on suit nos femmes, nos maris et nos enfants? Ou on suit le bon berger? Parce que si on apprend que les brebis suivent le bon berger. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Comment faire pour connaître la voix de Dieu? Il faut être intime avec lui. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est le fait de connaître les profondeurs de Dieu. L'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est le fait de connaître les parties intimes du Seigneur. Comme dans Apocalypse là-bas, où Jean a vu la cuisse du Seigneur sur laquelle il était écrit « Roi des rois et Seigneur du Seigneur ». Pour les hommes mariés, c'est aussi simple. En d'autres termes, à part nos maris et nos femmes, d'autres personnes n'ont pas accès à nos corps et à nos parties intimes. C'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on parle de l'intimité, de connaître Dieu, la racine du mot « connaître » là, de connaître Dieu, c'est la même racine qui était employée dans Genèse. Quand on dit qu'Abraham, qu'Adam connut sa femme Ève, ils ont eu des enfants. C'est la connaissance intime, la connaissance personnelle de Dieu. Donc dans la marche chrétienne, on apprend que pour tenir et pour s'en sortir, c'est important de connaître Dieu, d'avoir une intimité avec lui, d'avoir une relation avec lui. La première relation qu'on doit avoir, avant la relation entre frère et soeur, mari et femme, c'est d'abord la relation avec Dieu. Même dans un couple, la première relation qu'on doit avoir, c'est d'abord la relation avec Dieu. On doit d'abord le connaître lui et lui seul. Amen. Oui, la fille du passage, frère. Donc, et quand il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Donc, dans la marche chrétienne, on doit connaître la voix du Père, la voix du Seigneur. Verset 5. Mais elles ne suivront pas un étranger. On va d'abord s'arrêter ici. Qui est étranger? L'étranger, c'est Satan. Ce sont ses serviteurs. Donc les vrais enfants de Dieu ne sont pas censés suivre un étranger. On ne peut pas suivre Satan. On ne peut pas suivre ces fausses religions, ces religions diaboliques et sataniques. Catholicisme, islam, hindouisme, bouddhisme, confucianisme, athéisme, témoin de Jéhovah, adventisme, toutes ces religions christianistes célestes. On ne peut pas suivre ça parce que c'est des religions inspirées par Satan. Donc, on apprend aussi que les brebis, parce qu'elles connaissent leur berger, elles ne suivent pas un étranger. Mais pourquoi nous, on suit Satan? C'est qui aussi l'étranger? Le péché dans nos vies. C'est ce qui est l'étranger, c'est la chair et ses désirs corrompus. On apprend quoi? Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est le verset 5. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Un bon chrétien ne peut plus écouter la voix du péché. Un vrai chrétien ne peut plus écouter la voix de la chair,
la voix de Satan, la voix des ténèbres, la voix des coutumes et des traditions, parce que c'est la voix des étrangers. Donc, hein, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Frère, n'écoute plus la voix de ta chair, la voix du péché, la voix des ténèbres de la religion, parce que c'est la voix des étrangers. Donc, étrangers, c'est au pluriel. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs étrangers. Satan, c'est le premier étranger. Le péché, notre chair, les démons, les coutumes, les traditions et toutes ces religions qui ne sont pas de Dieu, c'est considéré comme étant des étrangers. Verset 5. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 7. Jésus donc leur dit encore, amen, amen, je vous le dis, sur la porte des brebis. Donc on apprend ici que dans la marche chrétienne, on doit franchir la porte. Dans la marche chrétienne, on doit franchir la porte. On est dans Matthieu 7. La porte. Donc on est dans Matthieu 7. On va lire à partir du verset 14. À partir du verset 13. Matthieu 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. Donc là-bas, on a appris quoi? Que Jésus est la porte des brebis. Et si Matthieu 13 nous apprend quelque chose, Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large, le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, verset 14. Mais étroite est la porte, et resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc quand je te pose comme étant la porte, c'est la porte du ciel. Et la porte du ciel, c'est la porte étroite. C'est quoi la porte étroite? C'est Jésus. C'est le chemin de la croix. La porte étroite nous parle de la croix. La porte étroite nous parle des déserts, des épreuves, des combats, des difficultés. La porte étroite nous parle, n'est-ce pas, du brisement. Donc là-bas dans Jean, n'est-ce pas, il s'est présenté comme étant la porte des brebis. Mais ici, on apprend que la porte étroite, c'est la porte qui mène au ciel. Amen. Et on dit qu'il y en a peu qui passent par là. Pourquoi? Parce qu'on a tous choisi l'autre porte. Verset 13 de Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. On apprend ici que beaucoup de gens iront en enfer ou beaucoup plus de personnes vont en enfer. Il y en a peu qui trouvent la porte étroite. Donc on apprend que beaucoup de personnes vont en enfer, iront en enfer. Pourquoi? Pas parce que Dieu a destiné ces personnes à aller en enfer, mais parce qu'ils ont choisi la porte large. C'est quoi la porte large? C'est quoi le chemin spacieux? C'est le chemin de la facilité. C'est le chemin du péché, c'est le chemin de la débauche, c'est le chemin, n'est-ce pas, du mal. Amen. C'est le chemin du mal. C'est le chemin du péché, de la réjouissance dans le monde. Il y a la porte spacieuse. Cette porte, elle est tellement large. C'est la facilité. On peut rentrer avec tous nos bagages. Mais la porte étroite, c'est la porte qui mène au ciel. Donc, dans Matthieu, dans Jean 10, on voit que Jésus se pointe comme étant la porte du ciel. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Dans la marche chrétienne, on suit Jésus parce que c'est lui la porte qui mène au ciel. La porte qui mène au ciel, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas une idole quelconque. C'est Jésus qui est la porte qui mène au ciel. Amen. Et cette porte-là, elle est étroite. Ce chemin est resserré. Pourquoi? Parce que c'est des épreuves. C'est le chemin de la croix. Il a dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie et se charger de sa croix. Donc dans la marche chrétienne, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on doit se charger de notre croix. On peut repartir dans Jean 10. Donc dans la marche chrétienne, on se charge de notre croix. Donc on apprend aussi que quand Jésus se présente comme étant la porte des brebis, il nous parle ici du chemin étroit. Donc tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu qui ne veulent pas passer par le chemin étroit ne peuvent pas être sauvés. Amen. On repart dans Jean 10. On est au verset 9. Non, remonte un peu, frère, s'il te plaît. On est au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Mais les brebis ne les ont pas suivis, ne les ont pas écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi. Donc on parle de tous ceux qui sont venus avant Jésus, mais au pluriel. C'est l'image du monde, c'est l'image du péché, c'est l'image, n'est-ce pas, des coutumes, des traditions, c'est l'image de Satan avec tous ses principes diaboliques.
Donc tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Amen. Donc on ne peut pas de faux serviteurs de Dieu, de faux personnes qui se présentent, qui se proclament, qui s'autoproclament de Christ. Ils sont considérés comme étant des brigands et des voleurs. Verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Donc on voit ici, comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus est rendu comme étant la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et on a vu là-bas que la porte étroite, c'est elle qui amène où? À la vie éternelle. Amen. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que quelle est la vie et qu'elle est même en abondance. Donc, on apprend ici que durant notre marche chrétienne, il y a Satan qui va tout faire. Un, pour dérober. Mais dérober quoi? Dérober notre vie de sainteté, dérober notre vie de prière, dérober notre vie de méditation, dérober notre attachement à Dieu. Deux, il vient pour tuer. Tuer comme nous tuer complètement. Détruire notre vie spirituelle, nous tuer spirituellement. Et toi, il vient pour détruire, il vient complètement pour nous détruire, pour nous rendre inefficaces, pour nous rendre impuissants, pour que notre vie chrétienne n'existe plus, pour qu'on n'arrive même plus à parler. Il veut tellement nous faire tomber dans la bassesse, dans le péché, de telle sorte qu'on ne pourra plus jamais se lever pour dire on est chrétien. Donc il vient, un, pour dérober la vie de prière, la vie de méditation, la vie de sainteté, la vie de consécration. Il vient pour quoi? Tuer la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Il vient pour détruire, n'est-ce pas, nos témoignages. Il vient pour détruire complètement nos témoignages pour nous empêcher de parler de Dieu. Verset 11. C'est magnifique. Jésus dit qu'il est le bon berger. Amen. Dans la marche chrétienne, celui qu'on doit suivre, qu'on doit écouter, c'est le bon berger. Il dit, le bon berger donne son âme pour ses brebis. Donc on apprend ici, n'est-ce pas, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On a vu Jésus qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Est-ce que nos parents pourraient le faire mourir à notre place? Oui, certains peuvent mourir à la place de certains. Mais est-ce que cette mort, n'est-ce pas, peut leur accorder le salut, la vie éternelle? Le seul ici, n'est-ce pas, qui a pu mourir et dont la mort a des résultats efficaces sur la vie des hommes, c'est Jésus. La mort de Jésus nous apporte quoi? Elle nous apporte le salut. Elle nous apporte la vie éternelle. Elle nous apporte la délivrance par rapport au péché. Donc, on apprend ici que Jésus est le bon berger. Il dit que le bon berger donne sa vie, donne son âme pour ses amis, pour ses brebis. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a donné sa vie, il a donné son âme pour nous. Amen. La suite du passage, frère, s'il te plaît. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit et disperse les brebis. Donc ici, on nous parle encore de Satan, qui est mercenaire. Et lorsque Satan se présente comme quelqu'un de bien, on apprend que lorsqu'il y a un danger, il t'abandonne. Et c'est aussi l'image de ces faux serviteurs de Dieu. Parce que ce sont des mercenaires, ils ne veulent que notre argent, ils ne veulent que nos dîmes, nos offrandes, n'est-ce pas? Lorsqu'on a des problèmes, des difficultés, des combats, il nous fuit, comme ici. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Donc, c'est que quand il y a un danger, quand le mal se présente à nous, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Il prend la fuite. Et ce que Satan fait, il vient frapper à ta porte, il te dit pêche. C'est pas grave, Dieu va te pardonner. Quand tu pêches, espère quand le jugement de Dieu tombe sur toi, il se retire. Il vient encore te condamner. Comme il a fait avec Job. C'est ça, Satan. Il ne veut que notre mal, il ne veut que nous faire du mal. Et après, c'est le même Satan qui va vers Dieu contester nos témoignages, dire qu'on n'est pas vraiment converti. Parce que c'est un mercenaire, c'est un mauvais et c'est un méchant. Donc, durant notre marche chrétienne, n'est-ce pas, Satan continuera à tout faire pour nous égorger, pour nous détruire et pour nous tuer. C'est pourquoi on doit écouter le bon berger. C'est pourquoi on doit suivre le bon berger. C'est pourquoi on doit marcher selon les principes du bon berger. La suite du passage, frère, s'il te plaît. Verset 16. Ainsi, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. C'est ça, Satan, il ne se soucie pas de notre vie. Si on pense que Satan nous aime, on fait fausse route. Satan ne nous aime pas. Ce qu'il veut, c'est nous détruire. Verset 14. Je suis le bon berger.
Je connais les miens et les miens me connaissent. Amen. Donc ici on apprend que le bon berger c'est Jésus. Donc pour faire un petit récapitulatif, on a vu que la marche chrétienne commence avec l'appel au salut. Le Seigneur nous appelle par notre nom. Et lorsqu'on entend sa voix, on répond à son appel et nous conduit dehors. Donc il marche devant nous et non le suit. Et on a vu que dans la marche chrétienne, on le suit parce qu'on reconnaît, on connaît sa voix. L'image du secret, l'image de l'intimité qu'on est censé avoir avec Christ durant la marche chrétienne. On a vu que les brebis ne pouvaient pas écouter un autre, un étranger, parce qu'elles ne reconnaissaient pas sa voix. De la même manière, on ne doit pas écouter Satan, on ne doit pas écouter le péché, notre chair, n'est-ce pas, le faux serviteur de Dieu, parce qu'ils sont des étrangers. On a aussi appris que dans notre marche, il y a des obstacles à notre marche, qu'on a vu dans 1 Corinthiens 10. Le péché, la convoitise, l'idolâtrie, la distraction, n'est-ce pas? On a vu que toutes ces choses s'opposent à notre croissance. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on quitte, lorsqu'on est sur le chemin de la vie chrétienne, c'est pour arriver au ciel. L'objectif final de la marche chrétienne, c'est le ciel. L'objectif final de la marche chrétienne, c'est la nouvelle Jérusalem. L'objectif, ce n'est pas de vivre sur terre et de mourir dans le désert. Il y a beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui se plaisent tellement dans le désert, comme les Hébreux se plaisaient dans le désert. Vous avez des chrétiens qui se plaisent tellement dans le désert. Notre cité, c'est là le ciel, c'est la Jérusalem céleste. Que Dieu vraiment nous aide à nous sanctifier, à craindre son nom. On va prendre le dernier passage dans Psaume chapitre 23 pour terminer. Psaume chapitre 23. Donc on va encore voir d'autres aspects de la marche chrétienne. C'est Jésus qui est le bon berger, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui marche devant nous, frères. Maintenant, après, Dieu aussi met ses enfants pour nous conduire, pour nous aider. Mais ces enfants, n'est-ce pas, qui sont nés de Dieu, ils ne peuvent pas nous conduire autrement que par la parole de Dieu. Donc, on est dans Psaume chapitre 23, à partir du premier verset. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que dans la marche chrétienne, notre berger, notre pasteur, par excellence, c'est Yahweh. Il dit, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il prend tellement bien soin de nous, frères. On n'a pas besoin de compter sur, n'est-ce pas, les hommes, on n'a pas besoin de s'appuyer sur les hommes. On doit s'appuyer sur Jésus. On doit s'appuyer sur Yahweh. Pas celui qui est notre berger. Il dit, parce que Yahweh est mon berger, je sais que je ne manquerai de rien. Parce que justement, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Il nous garde. Il nous nourrit. Il nous héberge. Il nous habille. C'est le Seigneur qui le fait. Lorsqu'on est malade, il nous guérit. C'est ça le bon berger. C'est ça la notion que David avait compris. Il dit, je ne manquerai de rien. Il dit qu'il ne manquera pas, il ne manquera de rien, pas parce qu'il était le roi, mais parce qu'il avait compris que Yahweh était son berger. Si on reste que Yahweh est notre pasteur, on n'a pas besoin de mendier, de tricher, de faire de magouilles pour vivre. Faisons confiance à Yahweh, c'est lui le bon berger. Il dit, Yahweh, mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce que nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Il nous donne à manger, des verts pâturages. La nourriture qu'il nous donne, c'est sa parole. Il nous nourrit spirituellement, mais il nous nourrit aussi physiquement. C'est ça, Yahweh. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, n'est-ce pas, c'est la nourriture des brebis. Si c'est vert, c'est qu'il y a la vie à l'intérieur. De la manière qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Il me dirige près des eaux de repos. Donc, il me fait reposer et il me dirige près des eaux de repos. Parce que justement, le Shabbat, le sabbat, le repos se trouve en Jésus de Nazareth. Il me dirige près des eaux paisibles ou près des eaux de repos. Ça veut dire quoi? Que dans la marche chrétienne, n'est-ce pas, le Seigneur permet qu'on ait des temps de repos. On vit le repos en Christ malgré les combats. Et les eaux ici, n'est-ce pas, c'est l'image de la parole de Christ. C'est l'image de l'enseignement, de la sainte doctrine que le Seigneur nous nourrit. Il nous nourrit vers cette soie. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Donc on apprend qu'il restaure nos âmes. Pourquoi il restaure nos âmes? Parce que dans la marche chrétienne, on peut être fatigué. La marche chrétienne, c'est un long chemin. C'est un long cheminement qui est vaste. Parsemé, n'est-ce pas, d'embûches, de combats, de difficultés. On peut être fatigué, oui. On peut être fatigué spirituellement, on peut être fatigué physiquement, c'est normal. On peut être fatigué dans la prière, on peut être fatigué dans la méditation, c'est normal. Mais la fatigue
qu'on peut avoir dans la marche chrétienne n'est pas synonyme de tomber dans le péché et de se plaire dans le péché. La fatigue liée à la marche chrétienne, c'est qu'on peut passer par des temps où on baisse dans la prière, où on baisse dans la méditation, où on baisse, n'est-ce pas, dans la vision qu'on a pour le ciel. Mais parce que Dieu est notre bon berger, parce que notre Père, il nous restaure, oui. On ne peut pas avoir des prétentions et dire qu'on ne peut jamais être fatigué. La marche chrétienne est longue. Imaginez-vous 50 ans, 100 ans de vie chrétienne. Est-ce que c'est possible de garder la même conscience? Non, parce qu'on n'est que des hommes. Mais dans ce temps de fatigue, dans ce temps de détresse, sachant qu'il y a le bon berger qui est là pour nous restaurer. Qui est là, n'est-ce pas, pour nous relever, frère. Ne fais pas, n'est-ce pas, de tes épreuves, de tes combats, un sujet, un sujet, n'est-ce pas, pour tomber dans le péché. Non, n'acceptons pas de tomber dans le péché. N'acceptons pas de blesser le cœur du bon berger. Amen. Donc, le passage, s'il vous plaît. Il dit, verset 3, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de Dieu. Donc, on comprend que c'est Jésus qui nous conduit dans la justice, frère. Laissons-nous simplement conduire. Laissons-nous diriger par lui. C'est Jésus qui connaît les sentiers de la justice. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est lui qui nous conduit, frère. Laissons-nous conduire par lui. Laissons-nous diriger par lui. Si Dieu n'aime pas quelque chose, s'il demande de renoncer à quelque chose, renonçons. Parce que c'est lui qui conduit qui connaît les sentiers de la justice, frère. Verset 4. Il dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ici, là, dans la marche chrétienne, il y a l'assurance en Jésus. Il y a l'assurance du salut. N'est-ce pas? La vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? Ça peut être l'image des démons des morts, mais ça peut être l'image, n'est-ce pas, des difficultés, des vallées, n'est-ce pas? Des preuves, des difficultés. Parce que vous voyez la vallée de l'ombre de la mort, qui est aussi physique, mais ça peut être spirituel. Ça peut être les combats, ça peut être tout ce qu'on peut vivre, comme n'est-ce pas, que l'ennemi peut nous envoyer. Comme pression, comme maladie, comme attaque, comme combat. Il dit même dans cette vallée, même dans ce tourbillon d'épreuves, des déserts, des difficultés, il dit je ne craindrai aucun mal, frère. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce par quoi tu passes, ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Yahweh est avec toi. Amen. C'est ça l'assurance que nous avons dans la marche chrétienne. De la même manière que Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans la fournaise ardente, Yahweh aurait pu éteindre le feu, hein? Il aurait pu éteindre le feu. Mais il a voulu nous montrer qu'en étant dans la fournaise avec eux, que même dans la fournaise, dans l'épreuve, il est avec nous, frères. Même dans la marche chrétienne, peu importe ce par quoi tu passes, rassure-toi, Yahweh est avec nous, frères. Tant de chômage, n'est-ce pas? Tant de 17, tant de maladies, de décès, peu importe ce par quoi tu passes, difficultés financières, matérielles, sociales, peu importe ce par quoi tu passes, Yahweh est avec toi. Il dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ne crains aucun mal. Même si tu es malade aujourd'hui, ne crains aucun mal. Même si, n'est-ce pas, les démons t'attaquent régulièrement, ne crains aucun mal. Rassure-toi que Yahweh est avec toi. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Vous voyez l'assurance. Dans la marche chrétienne, il y a l'assurance. Vous pensez que quelqu'un a le courage de parler de Jésus, comme ça? C'est parce qu'on est rassuré qu'il est avec nous. Amen. Notre force là, ce n'est pas notre temps de prière et de méditation. Non. Notre force, c'est Jésus. Même lorsqu'on a baissé dans la prière et la méditation, il est toujours avec nous. Même lorsque notre amour pour lui diminue par moment, il est avec nous parce qu'il est fidèle. Et justement, il restaure cet amour. Il restaure ce feu de la prière. Il restaure ce feu de la méditation parce qu'il est bon. C'est notre papa. C'est le bon berger, frère. Même si tu es tombé dans un péché, j'ai envie de te dire que ce n'est pas fini pour toi. C'est Satan qui est là pour nous condamner, nous accuser. Même si tu es tombé dans un péché, réponds-toi, Jésus va te pardonner. C'est le bon berger, il est plein d'amour et de miséricorde, frère. On a des vies avec Dieu. On a aussi connu des temps difficiles à des moments. Des moments où tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer, ta vie est sèche. Et sèche complètement. Mais parce que Yahweh, et le bon berger, il reste dans nos âmes. Oui, frère, nous ne sommes pas forts. Loin de moi la pensée de dire que je suis fort. Nous ne sommes pas forts. C'est la grâce de Yahweh qui nous garde. Donc ici, il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est parce qu'il est avec nous qu'on peut prier. C'est parce qu'il est avec nous qu'on peut méditer, qu'on peut se sanctifier. S'il n'est pas avec nous, on est mort. Amen.
Ton bâton et ta houlette me consolent. Le bâton, l'image, n'est-ce pas, de la correction. La houlette, l'image de la consolation. Dans la marche chrétienne, il y a aussi la correction de Dieu. Mais celui qui sève, qui fait la plaie, et celui qui aussi, qui sait la guérir, la pensée. Il fait notre papa d'amour. Nous sommes ne peut jamais nous châtier sans qu'on ait rien fait. Il nous châtie par amour. Mais même lorsqu'il nous châtie, il nous ramène à lui. Parce que c'est le bon berger. Verset 5, un autre aspect de la marche chrétienne. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins de ma tête et ma coupe déborde. C'est l'image de la confrontation. Dans la marche chrétienne, il y a la confrontation vis-à-vis du royaume des ténèbres. Et aussi la confrontation, n'est-ce pas, avec tous ceux qui s'opposent à Jésus. Amen. Donc ici, on apprend que dans la vie chrétienne, il y a aussi la confrontation. Donc, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il dit, tu oins de ma tête et ma coupe déborde. Il y a le revêtement que Dieu nous donne dans la marche chrétienne. Il nous remplit de son onction. Il nous remplit de sa puissance. Il nous remplit de sa présence justement parce qu'il y a des victoires à remporter. Amen. Verset 6. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Amen. C'est ainsi que prend fin notre partage. Il dit, j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours, oui, frère. Le but de notre marche chrétienne, c'est d'aller au ciel. Ne ressemblons pas au peuple d'Israël qui s'est corrompu dans le désert, qui a accepté de se souiller, de se prostituer, de non ferme. Je peux vous rassurer. En 13 ans de vie chrétienne, j'ai connu des moments difficiles, là où tu as envie d'abandonner, là où tu sens que le péché t'oppresse vraiment. J'ai connu ces temps difficiles. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est Père, il a toujours su me garder. Il a toujours su me garder de la chute. Il a toujours su me garder, n'est-ce pas, du mal. Il a suffi me corriger lorsque j'ai pu commettre des erreurs. Amen. Parce qu'on ne veut pas se présenter comme étant des super chrétiens. Nous sommes faibles. On a des manquements, des défauts. C'est Dieu qui nous aide. C'est pourquoi même si ta vie chrétienne est bancale, sache qu'aujourd'hui, tu peux prendre un départ nouveau avec le Seigneur. Même si tu as perdu 10 ans à tourner en rond, aujourd'hui la grâce est encore disponible parce que le Seigneur nous tend la main. Jésus est le bon berger. On a vu ici que le bon berger, il ne fera jamais du mal à ses brebis. On a vu ici que le bon berger ne va jamais menacer, frapper ses brebis. Amen. Mais dans Psaume 23, on a vu qu'il peut aussi nous corriger comme un père pour notre bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à nous sanctifier, à craindre son nom, que toute la gloire revienne à Jésus. Bonne soirée, dans la paix. Amen.